peux pas m'échapper de ce bosquet sacré. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais pour mes dessins? Bonjour à tous, c'est Darlink, et aujourd'hui, nous retrouvons pour la suite d'Everland 2. Nous avons donné la larme de Sylve à cet arbre, hein, l'arbre Yoda. Voilà, un gros clin d'œil entre l'arbre Mojo et Star Wars. Voilà, ça lui a donné une bien meilleure mine, je dois dire. Il est tout content, on le voit, l'expression sur son visage, il est tout content. Il fait la sieste, vaut mieux le laisser dormir. Donc là, il y a des coffres, un peu partout, éparpillés, que je ne peux pas ouvrir. Tiens, par contre, celui-là, il est pas transparent, celui qui est en face. Ah, c'est très mystérieux. Et donc là, on m'a dit que je suis resté, que je suis coincé, que je pourrais pas m'échapper de cette forêt. Oh non! Non encore! Oh mais non! Mais vous abusez, là! Mais non, quoi! Mais non, moi! Moi, je suis pas d'accord. Je conteste. Exactement. Oui, tout à fait. Je proteste, on dit. Ou je conteste. Mais pas les deux, c'est pas possible. C'est bon? Je peux y aller? Oh là là! Mais c'est quoi tout ça? J'étais en train de réfléchir, mais bon, je vois que... On va pas retourner en arrière pour aller dans le futur, pour calmer les ardeurs de Monsieur l'Arbre, un peu bizarre, en bas. Oh non, un avis! Pardon. Non, c'est pas un avis du tout, ça. Hey, listen! Mais pourquoi tu m'as réveillé? Tu me réveilles, hein? Je dors depuis à peine 12 ans. Laisse-moi me reposer tranquille. Grosse feignasse, va. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et d'abord, t'es qui, ou juste? Je suis ton sauveur. Quoi? T'es venu chercher le truc magie? Mais je l'ai déjà, non? Et maintenant, t'es bloqué dans le bosquet? Mais quel imbécile! Fallait pas venir ici! Comment? Tu sais pas comment détruire les sadistas? C'est pourtant simple. Il suffit de demander un troncodile de les cramer. Ah. Quoi? Tu sais pas parler aux monstres de la forêt? C'est vrai que vous, les humains, êtes carrément limités. Mais vous avez de la force. Ces gros fainéants de troncodile veulent jamais se bouger, mais toi, t'arrives à les pousser. Je t'ai vu le faire. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais t'aider à causer au crocodile. Oulala. Oulalalala. Et toi, tu vas m'aider à cramer les sadistas. Après tout, t'as aidé le vieux, alors je peux bien faire ça pour toi. Ça te va? Non. Je suis pas du genre patient, tu sais. Je te conseille d'accepter. Non. Mais pourquoi? Elle a pas d'humour. Mademoiselle a pas d'humour comme ça, hein. Très bien. Dans ce cas, je boude. Je parle plus de toute la vidéo. Ça sert à rien. À la cour, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Ah, il faut l'arrêter au centimètre et au millimètre près même. Attention. Oh putain, ça y est. J'avais réussi le premier coup tout à l'heure et maintenant j'y arrive plus. Mais putain, j'ai foutu la tomate devant, tu te fous de ma gueule? Tout fou de ma gueule. Mais là,
va bien, ne vous inquiétez pas. Ça fait juste 3 vidéos de 50 minutes que j'enchaîne, mais à part ça, tout va bien. Mais on se calme, tu m'as pas vu. Hein? Bon. Ils sont tous tarés dans cette forêt, c'est pas possible ça. Hein? Je suis mieux dans les bois perdus de Zelda, hein? Parce que là, franchement, ça craint. Il y a carrément une fée qui te tue. Non mais... Voilà quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Hein? Rien que pour te faire chier, grosse feignasse. Blablabla. Alors là, elle devrait faire une bataille de parlotte avec Navi, parce que là, on sait pas qui gagnerait, hein. Blablabla. Oui. Oui. Ah, mais je me suis pas présenté. Naoui. Ok. Et viens pas te plaindre que je parle trop. Non, j'ai rien dit. Elle m'a pas entendu, j'espère, sinon elle va sortir de l'écran et elle va me tuer en vrai. Oh putain, j'espère qu'elle m'a pas entendu. Non, je crois pas. Ah, bonsoir. On n'est pas aidé. Ouais. Moi, je la vois pas sur le truc. Là, on peut voir qu'il me manque plus que 2 fragments. Maintenant, j'ai 3 fragments sur 5. Il me manque encore les 2 objets mystérieux à côté de la manette NES. Alors, j'ai pas augmenté le pouvoir encore de Velvet. Ah, faut se secouer un petit peu, là, hein. Va falloir que je me réveille un petit peu plus, là, hein. Parce que c'est pas possible, ça, hein. Faut être un peu plus dynamique. Voilà. Ah, ça y est. Alors? Ah, bien! Ah, ça veut dire que je peux mettre la fée dans l'arbre et après le cramer. Non? Ah, mais non, c'est lui qui a cramé avec du feu vert. Ouais, c'est très bizarre. Du feu vert. Bon, bah là, il y a des coffres. Pardon, d'accord. On va faire le tour par là alors. Mais. Là, le coffre. Je peux pas? Bah. Là, on peut pas le déplacer. Attends. Ah putain, je peux pas le déplacer, je peux pas. Ah merde. Je dois aller où? Je dois faire quoi? Je crois que je comprendrai jamais ces coffres là. Ok, ça veut pas ouvrir. Ok. Très bien. Ah, mais je peux passer là. Bah voilà. Oh là 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 là. Pourquoi on cherche compliqué quand on peut faire simple? Voilà. Mais le problème, c'est que je ne peux pas passer, donc... On va aller dans le futur. On va pas prendre de risque, hein, choper ces pièces. Non. Ah, un petit plantage, petit ramage, pardon. Je suis dans une autre époque. Viens m'y rejoindre si tu veux que je t'aide. D'accord. Ouais. Bon, ben. On va sortir de cet endroit infernal.
Attends, je suis allé en bas. Ah! Ah bah oui, le coffre là. Attends, faut que je change d'époque. Parce qu'il y a pas mal de coffres, hein, mine de rien. Alors, est-ce que c'est dans cette époque? Même pas. Oh, mais pourquoi vous compliquez les choses, là? Aïe, 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 aïe. Et pourquoi elle est toute petite, la tomate? Putain, c'est pas vrai, ça! Ah. Ah, et Minos. Bon, on va rechanger d'époque. Oui, je suis coincé là. Je dois aller où en fait? Excusez-moi, monsieur, vous savez où est la sortie? Quelqu'un sait où est la sortie? Est-ce que vous pouvez arrêter, enfin, demander à l'arbre d'arrêter de cracher du feu? Parce que je peux pas passer, là. Je suis un peu embêté. J'ai aucune idée de ce que je peux faire! Et là, on peut pas le déplacer, hein. J'appuie bien sur les sticks, là, la manette et tout. Je peux pas le déplacer. Je peux que cracher du feu comme ça. C'est tout. Avec la flèche, je peux pas le déplacer. Je peux rien faire. Bah voilà. Je peux rien faire. C'est génial. Je vais m'arrêter là. Parce que là, j'en peux plus. Alors, aujourd'hui, j'ai réfléchi et je pense avoir trouvé la solution, mes amis. Eh oui. Il suffisait, à mon avis, d'envoyer Naoui en éclaireur. Voilà. On parcourt un petit peu ça. On contrôle l'arbre. Tant que la tomate approche, et là, on appuie sur le bouton, et on crame. Et on crame la petite tomate. Et voilà. Et donc, ainsi, je retourne dans le futur. Et vu que j'ai cramé la tomate dans le présent, normalement, dans le futur, il ne devrait pas y être. Elle devrait pas y être. Et voilà, et maintenant je peux passer tranquillou. Et voilà. Bon, voilà, évidemment, hein, je suis pas très fier de moi. Ça m'avait gavé, j'ai regardé direct la soluce. Hein. Donc voilà, c'est pas moi qui ai trouvé tout seul. Hein. Ouais. Je suis pas très fier de moi, j'avoue, mais bon, c'est comme ça, hein, quand on n'a pas la patience. Ah, encore un coffre que je peux pas ouvrir, décidément. C'est vraiment dommage tout ça, c'est vraiment dommage. Je suis en train de louper plein de coffres là. C'est dommage. Mais j'avoue, j'aime beaucoup cette phase comme ça. On part à la recherche des 5 fragments de clé magie. Parce que là, t'es vraiment libre de choisir l'endroit où tu vas aller. Les environnements sont variés. Les musiques toujours aussi sympas. Encore plein de références comme ça à d'autres jeux. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Bon, j'espère que je vais pas être coincé de nouveau là quand même. Je vais pas re-regarder la soluce, c'est vrai que je devrais réfléchir par moi-même. Même hors enregistrement, je pourrais très bien chercher comme ça et après expliquer ce que j'ai fait quand j'ai trouvé la soluce. C'est vrai que je pourrais faire comme ça, mais bon, voilà. J'ai vraiment pas la patience, c'est comme ça. Et là, vous allez me dire que je vais être de nouveau coincé. Non. Il faut que je change d'époque. Ah!
Ah, je sais pas comment ça se fait, ils sont tous en train de dormir, que ce soit la tomate ou les monstres, l'espèce de spectre là et les troncs d'armes. Ils dorment tous. Oui. Et là, sauf que là, si je change époque. Bon, on va essayer de renvoyer Naoui en éclaireur. Non. Ah mais non! Ah, je me suis trompé d'époque. Aïe, 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 mais non, je fais à peine deux pas, je suis de nouveau coincé. Y'a rien. Bon, ah, ici. Allez, grosse feignasse, on se bouge, on se bouge. Donc maintenant, il faut que je trouve un moyen de changer d'époque. Ah, c'est coincé de partout, c'est fermé de partout. Il y a rien pour me faire changer d'époque. Et comment je fais pour accéder en haut? Oh mais non, mais... Ah mais oui que je suis bête. Maintenant je vais pouvoir le bouger là, mais oui que je suis bête, moi, mais sérieux quoi. Putain, moi aussi là. Là par contre j'aimerais bien pouvoir accéder. Attendez, ah, arrête la manette là, arrête de me faire bouger mon personnage tout seul. Ah, ben oui, voilà, maintenant je vais pouvoir bouger l'arbre ici. Mais oui, comme ça, dans le présent, hein. Allez. Bon, ça va se bouger. Le croc-croc arbre. Et voilà, maintenant je peux aller dans le présent et revenir ici. Voilà, c'est cool. Et voilà, là on est dans le présent. Maintenant, je peux tranquillement continuer là mon chemin. Ah, mais j'ai accès au coffre maintenant. Hein? C'est quoi ce buisson que je peux pas couper? Oulala, il y a un problème. Houston, on a un problème. Ah, mais une oreille d'oricon, ça fait plaisir. Bon. Ah, ces arbres-là. On peut leur parler? Ah, on peut leur parler. Merci d'avoir aidé notre gardien. Moi et mes semblables, nous allons t'aider. Écoute nos conseils si tu es perdu. Naoui peut voyager très loin, mais uniquement dans son époque. Oui, dans le présent, quoi. Entre deux. Bon, je vois qu'il y a de la drogue hein, un peu partout. C'est très très mauvais, ça, hein. Donc on va tout simplement utiliser la fée. Ah, ah d'accord. Ah, on a un petit problème. On a un problème de coordination là. Hein. Ah, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais merde. Très bien. Mais encore. Et c'est pas possible. Là, on va se mettre ici. Voilà, on casse ça. Ensuite, on retourne sur Naoui. Ah là, très bien ça. Très bien. Non. On le déplace à nouveau. Ça, il crache plus ses flammes vertes.
on peut pas y aller. Mais là, je pense que le bleu, ouais, c'est pour aller dans le passé, c'est ça. Parce que le rouge, c'est pour aller dans le futur. C'était le porteur rouge. Voilà. Ah, le tronc d'arbre pour pouvoir retourner. Ah, ben là, ça y est, on est retourné au début. Mais j'ai envie de voir en haut quand même. Je vais visiter. Non, parce que là, je suis en train de louper plein de coffres quand même. Ça me désole un peu. Wow. Ah, mais c'est grand ici, c'est espacé, c'est cool. Je vais essayer d'éliminer tous les monstres aussi. J'aime beaucoup cet endroit et la musique est vraiment. Elle colle parfaitement à l'environnement, c'est. Elle est magnifique. Comme je l'ai dit déjà. Par contre, il n'y a pas un pet d'arbre là pour le cramer. Et là-bas. Allez, voilà. Seulement pour le déplacer, lui, il va falloir arriver par en bas. Ok, on va faire le tour. Par là. Ah, bah voilà. Bah oui. On a réussi, Dark. On est presque sorti du bosquet sacré. Il nous reste plus qu'à retourner dans notre époque. Eh oui. Mais avant... Voilà, très bien. Là, on retourne en haut. Et on fait le tour par en haut. Comme ça. Et voilà. L'affaire est dans le sac, comme on dit. Attends-moi, attends-moi! Ah, mais rapide pour un gros lourdeau! Ah mince! Désolé, je me suis trompé. Ok. Ne t'énerve pas. Ah, bah c'est bien, il y a tous les trucs. Tous les téléporteurs d'époque. Ah. Ah, tu veux pas, hein? Ah, monsieur, il veut pas. Mais va en bas, je le tire vers en bas, le truc. Sinon, comment tu veux faire le tour par en haut, y a rien. Grosse feignasse. Pas possible d'être aussi feignasse comme ça, hein. Regardez-moi ça, quoi. Ok, bah comment tu fais pour le mettre en bas alors? Oh, comment je me fatigue, ça. Bon, ça va être un peu pénible. Ok, tout est normal. Tout est normal. Bon. Ah, tant pis, hein. Je vois pas, hein. J'en ai marre de me casser la tête, là. Évidemment, il y a toujours ces trucs qui te bloquent, là. Aïe 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 aïe. Ça fait mal à la tête tout ça, hein. Faut réfléchir là. Ah bah c'est quand franchement je vois pas du tout comment je vais les récupérer, hein. Je sèche mais complètement, quoi. Ah, c'est désolant. Ah bah déjà lui. Merde! Ah, mais à chaque fois, là!
Aïe 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 aïe. Chaque fois je me trompe. Pas possible. Voilà. Voilà, petit nettoyage. Bon, je vais sortir ce bosquet parce que hein, je suis en train de louper plein de coffres. Mais... Là, franchement... Désolé, mais je peux pas quitter cette forêt, tu vois. Les fées comme moi, elles peuvent pas vivre dehors. C'est une question de physique quantique. Je peux pas être dans tous les temps à plusieurs espaces à la fois, apparemment. C'était pas mal, tu t'en es bien sorti. Il reste encore des sadistas dans la forêt. Mais j'imagine que vous avez qu'à... que vous avez pas que ça à faire. Revenez me voir si vous voulez. Ciao. Ah ben, elle me laisse tomber. Ok, il m'en restait deux. T'es déjà de retour? On y va alors. Eh oui, t'as vu, je suis rapide. Très rapide pour changer d'avis. Allez, il en reste deux, on va essayer de les avoir quand même, là. Ce serait pas mal. Seulement, voilà, c'est compliqué. Et des fois, c'est compliqué, donc... Non, on va essayer quand même. Ah. Là déjà je peux avoir accès facilement. Très bien. Là je peux pas aller bien loin. Ouais. C'est ça, je suis coincé. On peut aller nulle part dans cette forêt. On peut aller nulle part. Mais c'est pas possible ça. Voilà. Ça a servi à rien, mais bon, je le fais comme ça pour le style. Voilà. Allez, il m'en reste deux. Ils sont où les deux? Il y en avait un en haut. Il y avait un en haut, quelque part, là-bas, là. Ah, voilà. Seulement, là, l'autre arbre, il faut que j'arrive à l'approcher, quoi. Ben, voilà. Attends, est-ce que dans cette époque, je peux faire quelque chose, ou comment? Ah! Mais putain, mais c'est pas possible, je regarde derrière. Oh là là, et où tu sais, les piles sur mon chemin, quoi. Mais dégage de là, toi. Ok. Et comment tu fais pour le faire descendre? Parce que là, tu peux pas faire le détour, tu peux rien faire. Comment tu fais?
le futur, j'espère. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Mais sérieux, quoi? Mais ils sont sérieux? Mais tu peux pas y aller, là! Putain, mais... Faut être réaliste, maman, là! Comment tu fais? Si tu peux pas faire ça, tu fais comment? Oh là là, mais... Putain, mais ça m'agave. Ça m'agave. Ah, je vais laisser tomber, ça me saoule. Hein. Je suis c'est juste pour avoir une étoile, de façon. Là, ça commence à me caver. Hein. Putain, mais. Mais tu fais comment, là? Mais tu fais comment pour le faire descendre, lui? Putain! Relou! Sérieux, quoi. Et là, si je le fais descendre, après, il est bloqué en bas. Alors, comment tu fais? Comment tu fais? Mais c'est pas possible, ça. Bah voilà. Voilà. Et tu peux pas. Tu peux pas. Bon, allez, c'est bon, ça me saoule. Je laisse tomber. C'est juste pour une étoile ou un minerai d'oricon. Ah, c'est pas grave, c'est bon. Pouh, je sors de là, moi, ça me gave. À ne pas arriver à trouver comme ça, c'est bon. Désolé si je m'énerve un peu pour rien. Pour vous, c'est sûr, je m'énerve pour rien. Mais bon, là, j'en ai marre de chercher pour rien. Là, on me fait tourner en bourrique et c'est bon, quoi. Je trouve pas, hein. Je suis nul, c'est comme ça. On va s'arrêter là, hein. Une vidéo palpitante, je dois dire. Voilà. J'aurais loupé plein de coffres et tout, mais c'est pas grave. J'en m'en vais. J'en ai marre, je me barre. Hein. Pourquoi c'est fermé, là? Quoi, c'est fermé? C'était ouvert tout à l'heure, non? Mais pourquoi c'est fermé? Je croyais que je pouvais sortir. Putain, mais tout à l'heure il s'était barré, ça veut dire que je pouvais sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'allais dans le présent. Ah, d'accord. Ouais, je vais arrêter la vidéo parce que là, j'en suis en train de devenir chèvre. Et oui, je sais que tu peux pas quitter la forêt. Ah, Vidersé. Et voilà. J'ai fini. J'ai tout fait. Au revoir et heureux d'avoir visité votre contrée. Bien sûr, je vous quitte et je vous dis peut-être à bientôt en off, enregistrement. Je reviendrai chercher les coffres, peut-être. Je sais pas. Et voilà, bon, ben, c'est ici qu'on va s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour visiter de nouvelles contrées. Voilà, peut-être le contrée enneigée, là, qu'on voit sur la droite. Ou peut-être une autre contrée. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.